7h30, ouverture des portes dans ce lycée bordelais. À 30 minutes de l'épreuve de philosophie, les futurs bacheliers sont assez détendus. La philo, c'est plus du freestyle. Je compte sur ma réflexion, sur mon inspiration du moment, mais ça va le faire. Détendu. Non, vraiment, franchement. Faut se concentrer, faut se calmer, faut se rappeler ce qu'on a dit en cours et ça a passé tout seul. Il est 8h, le moment de découvrir les sujets et de plancher. Moi, je suis philosophe dans l'âme. Pas trop stressé? Non, jamais. Bon, c'est le bac, d'habitude. C'est la fin des 4 heures de réflexion intense, le moment d'échanger avec les copains. Chacun espère avoir eu la bonne idée. Travailler moins, est-ce vivre mieux? Et donc? Moi je me dis que pas forcément, mais qu'il fallait trouver aussi un juste milieu, trop travailler et ne pas travailler assez. J'ai dit que oui, parce qu'on avait plus de temps pour les loisirs, et après que non, parce que ça, quand on travaille moins, après on est moins libre. Je pense avoir la moyenne, j'ai écrit 6 pages en 2 heures et c'est bien passé. Demain, c'est au tour de l'Histoire Géo, 4 heures d'épreuve pour les presque 700 000 candidats. Les résultats seront dévoilés le 5 juillet.